centre d'enseignement des soins d'urgence de Loire-Atlantique, ou le CESU 44, qui est une unité fonctionnelle du CHU de Nantes, unité qui a été officiellement créée en 2007 et qui est rattachée au pôle hospitalo-universitaire comprenant le SAMU. Nous travaillons avec environ 70 formateurs vacataires qui sont tous des professionnels formés à la pédagogie. La plupart de nos formations s'appuient sur des situations contextualisées. Nous utilisons de la simulation procédurale pour l'appropriation des gestes. Nous avons également développé la simulation in situ dans les services, ainsi que l'utilisation d'acteurs qui, chez nous, sont des formateurs qui jouent les patients simulés. Et depuis cette année, nous avons mis en place une formation qui utilise de la simulation numérique par le biais d'un serious game qui nous permet de travailler dans le cadre des situations sanitaires exceptionnelles sur le triage des patients. Nous nous adressons à tous les professionnels travaillant dans le domaine de la santé ou dans le domaine médico-social, à la fois les professionnels soignants, médicaux ou paramédicaux, et les professionnels non soignants qui travaillent dans les structures de soins. Nous travaillons aussi avec les étudiants en santé dans le cadre de leur attestation de formation aux gestes et soins d'urgence. Notre domaine d'expertise, c'est l'urgence, à la fois donc l'urgence au quotidien et l'urgence en situation sanitaire exceptionnelle. Ainsi, tous les formateurs qui interviennent au CESU sont issus des soins critiques. Ils enseignent ce qu'ils pratiquent et ils pratiquent ce qu'ils enseignent.